Je n'ai plus de parents, je n'ai plus personne. Point à l'invité de l'émission, le divan ce vendredi 9 novembre, Amanda Lear s'est confiée à Marc-Olivier Fougiel. Elle a notamment évoqué sa carrière, ses succès, mais également ses liens inexistants avec sa famille. Amanda Lear est une artiste atypique, inclassable qui a toujours su entretenir le mystère sur sa vie et certains détails restés flous de sa carrière. Loin de vouloir tout révéler à Marc-Olivier Fougiel, la comédienne et chanteuse qui a été, autrefois, la muse de Salvador Dali, s'est tout de même prêtée au jeu de la confession, en s'allongeant sur le divan de l'émission éponyme. À cette occasion, Amanda Lear, qui est toujours fâchée avec Sylvie Vartan, a tiré le fil de sa vie en évoquant ainsi son parcours. Mais pour mener la vie qu'elle souhaitait, Amanda Lear a décidé, il y a longtemps, de couper tout lien avec sa famille. Elle pensait alors que sa famille très bourgeoise n'aurait pas apprécié ses choix de carrière. Je ne pense pas que la famille soit très fière de vous voir poser à poil, parce que vous faites du cinéma, vous posez pour des photos pour Playboy, a-t-elle ainsi déclaré à Marc-Olivier Fougiel, ce vendredi 9 novembre dans le divan. Elle s'est ainsi délestée de toute attache, au point même de ne pas assister à l'enterrement de sa mère. J'étais à Londres, confiera-t-elle tout simplement. Mais cette vie, qu'Amanda Lear s'est choisie n'est pas...